Famille Lavalès. Non, pas un seul tête. Et même c'est dans quoi société civile dans l'île. Des têtes là. Des têtes là. Mm-hmm. Oui, des têtes là qui gagnent. Yeah. Et on. Comment ça c'est, qui gagnent. Et ça nous relève et conseil transition, oui, conseil national transition. Et donc c'est là-dedans la famille Lavalassier. Donc faut que nous disions. Qui est-ce qui a tête conseil là lui-même? Non, qui est-ce qu'il a beaucoup, qui est-ce qui prend même, qui a porté l'évangile? Oui, ça c'est commission, c'est commission. Qui est madame Komodeni là-dedans? Oui, 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 commission qui a cherché une solution. Oui. Okay. Donc, commission capable de chercher une solution haïtienne dans la crise. Vous voulez dire que la famille Lavalas fait un coup de volant sur Montana. Il faut être dans Montana. Oui. Oui. C'est dans Montana, la famille Lavalas et Ali. Oui, oui. Qui est-ce qui a marché à mettre Michel même, lui-même? Après mettre Michel, ancien sénateur et NIP. Oui, là on parlait de secteur démocratique là. Oui, donc on y a qui l'autre entité qui même à quoi ça et nous pour qu'on connaît, nous connaît Unifos qui derrière. On est Timothée son seul tête là. Mais qui ça on est Non, on y a le bout de plainte pour un seul tête là. On y va dans seul tête là. Et sûrement on y et qui était on y même hier, ni Montana. Il n'est pas ni Montana ni non seule tête. Oui, oui. Il a porté plainte pour PM. Là. Pour PM, non, oui, il a porté plainte. Yeah. José Emilien, qui m'a dit. Oui, n'a pas dit Montana. Alors, ont-ils un exécutif à deux têtes ou bien au seul tête, acteur politique et acteur dans la société civile, ils continuent à discuter là pour y arriver, jeunes, ils ont sorti la crise là. Mais pendant tout ça, situation sécurité à pays a dégradé, situation économique là a dégradé tout. Est-ce que l'accord politique là pourrait le permettre ensemble, problème ça y a résoudre, mais en tout cas, la discussion prend plus de temps que yo te prévoit et entre plusieurs partis politiques qui étaient déjà entendus déjà sous départ Jovenel Moïse à entendre ça, entendre pour arriver déboucher son accord politique révéler le difficile et c'est dans le contexte ça justement parti ancien président Jean-Bertrand Aristide là qui était déjà gain position li à peine soutien accord sorti crise commission cap chercher une solution haïtienne à crise en guerrier j'ont te dit tout à l'heure ça qui vient confirmer position parti qui fait qu'on est président tiers Sénat République là Joseph Lambert avec premier ministre Ariel Henry, ces deux obstacles, peuple haïtien a fait face dernier temps à Yon de Pays, d'après parti ancien président Jean-Bertrand Aristide La Famille Lavalas. Oui, donc lorsque l'étape est venue dans le journal la première occasion d'Audison Diogène des faits qu'on est, parti Jean-Bertrand Aristide La supporté proposition, conférence citoyenne pour Yon sorti crise là, pendant l'ivoire jeté proposition 10 sénateurs qui est plaidé en faveur Yon. Exécutif qui vient là-dedans, Joseph Lambert comme président, Ariel Henry comme premier ministre, alors que lui fait qu'on n'ait pas gagné aucune possibilité pour Joseph Lambert. Avec une président à transition, Judson Dirogène rappelé 10 sénateurs, il n'y a pas qu'à prétendre agir dans nos institutions qui dysfonctionnelles depuis quelques temps. L'autre bord, famille Lavalas, vous voyez, jeter proposition à Ariel Henry qui plaidait en faveur, un exécutif qui gagne là-dedans. Dans le, seulement un premier ministre d'après ça Jodson Diogène n'était fait connaître donc c'était vendredi hein, et c'est même vendredi ça donc dans après-midi oui et pendant journée hein, donc total sien à Corsa dans local RNDDH là, donc mais avant même et après interview ça Jodson Diogène lui-même était by radio Caraïbe d'après le gars là il note que famille Lavalas fait sortir, oui, note ça, famille Lavalas fait sortir. Après, il a fait un document qui dit organisation politique famille Lavalas, saluer l'autre fond. Il en fait encore courage, population, spécialement toutes victimes des as qui passaient dans le grand sud de pays. Dans le moment où on vive là, économie pays en tête en bas, et on l'état pillage qui a pas fait déficit sous déficit, insécurité a pas valé. Terrain et ils ont vide constitutionnel, la misère a péché mon vivre tant qu'au monde pandémie COVID là sans nous pas oublier tremblement terre 14 d'août là cyclone grâce qui vient mettre gaz sur du feu la misère
Dans la date 2 septembre 2021, Famille Lavalas organise une rencontre, brasser l'idée avec un membre organisation pour décider qui position organisation apprend sous accord pour sortir dans la crise. Là. Devant toute urgence, ça y est, Famille Lavalas a déclaré les arrivées pour tout le monde, fait un effort en plus pour mettre intérêt pays devant, pour nous capables de joindre une entente qui pour aider nous mettre conditions qui permettent mettre démocratie rétablie dans le pays pour nous couper fâché avec l'État corrompu ça pour nous renforcer l'institution nous pendant n'a pas reconstruit pays non ben puis gros objectif entente ça c'est mettre un climat la paix dans tout quartier avec la paix dans tout pays pour nous joindre la paix dans tête ça nous besoin un accord politique pour changer l'État pillage ça pour nous reconstruire l'État qui service population tout le monde net pas jam d'accord sur tout ça qui dans yon accord mais majorité ka joine yon entente sur ça qui pi important c'est pour ça Famille Lavalas décidé signer accord 30 d'août 2021 c'est yon pas qui doit aider nation avancer pour éliminer un système corrompu faut que toute force économique et politique pays aider former rapidement conseil transition avec yon gouvernement salut public, yon gouvernement salut public qui devrait faire avec moun compétent, honnête, qui joigne confiance à tout secteur dans mitan population. Donc voilà, comité exécutif Lavalaslan qui signe notre ça, donc qui rejoigne yon dans accord 30 août là qui prône yon gouvernement le conseil transition donc il y a même tout profité faut filer là dans l'île y a un gouvernement salut public donc proposition yo qui pas manqué en pile le secteur a positionné yo gain de citoyens tout qui a fait ce type de proposition mais parti politique haïtien pour Haïti lui même li invité acteur yo retourner dans la constitution hein. Côté yo même là yo plaidé en faveur mettez campé yon exécutif fonctionnel pour arriver mettre pays à sous voie constitutionnel, exécutif constitutionnel, ça, d'après yo, a pas gagné un mandat 6 mois, l'a pas gagné pour mission organiser élection générale, un pays a qui un nouveau conseil électoral. Porte-parole, la formation politique, ça, li longe doit être, yon font encore sur une série personnalité. France Lasserre dit qu'a cherché bouillé pisse sous assassinat, un dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse. Lasserre dénoncé salarié les copinage entre classe politique traditionnelle là avec oligarchie qui d'après lui prend pays en otage. En écoutez Jean-France Lasserre, l'itinamico Johnny Ferdinand. Exécutif fonctionnel ça qui pour réaliser l'élection générale dans le pays, non pays qui pas dépassé 6 mois, et bien des partis politiques qu'on croit ici pour ici et des partis progressistes, moi je dis à partir traditionnel hors politique en basita n'ont pas pour camper des autres les crimes de sang, les crimes financiers, pour les problèmes de contrôle de l'appareil de sécurité des États et le regain total et global de notre souveraineté. C'est le progressiste qui s'est passé dans la Pamoune, immédiatement après le président qui fait alliance à PHTK pour aller prendre pouvoir. Donc nous-mêmes, nous avons jamais été des alliés de PHTK. Nous avons été des alliés du président Jovenel Moïse. Et ça fait, nous avons couilles, nous avons le courage pour nous indexer majorité de nos accords contre nature, moins de 48 heures après l'assassinat de Jovenel Moïse dans sa résidence, qui fait alliance à PHTK. D'ailleurs, les représentants de PHTK nous demandent à l'aide d'indexer l'assassinat de Jovenel Moïse. Nous croyons que le bon pouvoir exécutif pour créer dans le pays d'Haïti, nous ne pouvons pas dépasser 6 mois pour les élections générales dans le pays, pour nous, vos calendriers bien compris, pour départ, question d'union et question corps groupe là, pour nous dissoudre de ça. D'ailleurs, l'assassinat de Jovenel Moïse, lui, donc, la transnationale là-dedans. Sur le territoire, États-Unis ont recruté l'assassin Jovenel Moïse en Floride. Là, nous avons un paquet de rapports en sortie dans l'organisme dit de défense des droits humains et un paquet de partis politiques qui ont porté plainte. Nous trouvons c'est vraiment grave parce que le Oubaka, c'est où tu as combattu pendant tout le temps depuis que nous avons fait alliance pour nous pouvoir voir la molle et nous avons porté plainte. À quel titre, à quelle qualité, nous avons porté plainte là. Donc, nous avons bouillé plus
Parce que procès pour une bonne vérité autour de l'assassinat de Jovenel Moïse, procès plutôt Caribé, crime de sang, la peine de tout pays a nous identifier les vrais ennemis du peuple haïtien pour nous mettre hors d'état de nuire avec l'apport de la diaspora qui va avoir double nationalité et puis qui va tourner des opérateurs économiques et des acteurs politiques pour nous transformer le pays en notre citoyen, notre société, notre État. Je recrute à 8 clos le 8 juillet, Conseil sécuritaire, que Joseph Félix PM, 48h28, donc ce manœuvre et cartel diplomatique là, avec les États-Unis, OEA, avec l'ONU, avec Congo, mais haïtiens nous-mêmes, comme c'est haïtien de Haïti, donc c'est notre capacité à notre cadre souverain pour déterminer qui type d'exécutif avec les progressistes, avec les secteurs, là-bas, tout le monde a bougé pour pouvoir là, mais les secteurs qui vont manifester là, dont Haïti pour Haïti. Donc, là, qui se ressemble, s'assemble, monde qui a posé problème pays d'Haïti dans le cadre souverain, nous allons être une conférence en rien de fait. Au pouvoir exécutif fonctionnel, d'ailleurs, nous, en même temps, nous commençons à créer une situation, l'insécurité, nous va être encore. Et les groupes armés reviennent, c'est même situation, ça peut courir en 2010, après le tremblement de terre, les États-Unis, pas oublié, ils ont 400 militaires soldats là, ils ont 200 militaires là, ils ont armada avec drone, avec porte-avions, amphibies, tanks, amphibies, ils ont là souterrain, de régime après minimum 4 mois. 4 mois bas, c'est l'année pour aller l'élection de l'Haïti. Si nous pas d'être prêts devant notre souverain pour nous approprier le processus électoral là, pour que nous croyons qu'il serait conseil de la population sur base claire avec le programme, et bien même ça qui est venu, la crise va recontinuer encore parce que nous avons un copinage entre la classe politique traditionnelle et les oligarques corrompus des cartels économiques. Voilà, au tape à côté, déclaration Jean-France Lafaire. Ancien député Serka Kavajal, Antoine Rodon, bien-aimé, il a partagé position marché pour la vie qui souhaitait concerner ou mettre tout accord ensemble pour aboutir à un seul accord politique pour assurer gouvernance l'État pendant période de transition. Ancien parlementaire croit qu'il y a une nécessité pour tout acteur ou mettre orgueil sous-côté pour sauver le pays. En côté, ancien député Antoine Rodon, bien-aimé, qui est dans le micro, Renchel Adrien. En tant que dirigeant ENA et membre de FND, yon signataire PENYO, nous croyons que c'est une démarche courable, c'est une démarche à féliciter, c'est une démarche à apprécier et nous inscrivons dans la logique ça. Parce que nous estimons que jeudi a le gros paquet d'efforts qui fait, certainement. Là, il y a une proposition d'accord, ENA a une proposition d'accord, chaque parti politique a une proposition d'accord, en pile monde dans la société civile a une proposition d'accord. Jeudi a concilié ces propositions d'accord pour nous arriver à trois gros propositions d'accord, tant que peine, je dis à qui gagne, il y en a plus gros pôle politique qui gagne dans le pays à côté, où il y en a plus passer 300 partis politiques et organisations sociopolitiques qui s'y en, et il y a gagné un accord qui a été signé, où il y en a gagné par les biais des autres organisations politiques et de la société civile qui s'y en accord de Montana, où il y en a une université qui s'y en a qui gagne une proposition d'accord, moi je pense que nous faisons un groupe côté jeudi à gagner trois gros propositions d'accord qui méritaient concilier. Et nous croyons que le monde marche pour la vie. C'est deux mondes nous estimons qui ont réfléchi, qui ont pensé, qui ont nécessité pour un accord unitaire. Nous avons fait une proposition. Nous supportons la proposition à nous appuyer. Nous souhaitons tout notre pôle politique, toute notre organisation politique, toute notre organisation de la société civile, nous supporter des marches marchés pour la vie. Et puis, pour concilier l'ensemble des accords qui joignent entre les différents pôles, pour être capable de venir à un accord unitaire. Ça, nous croyons que c'est une démarche louable. Et nous-mêmes, nous disons que nous supportons et nous avons fait effort nous-mêmes pour nous présenter et pour nous participer. Nous voyons tout l'autre monde qui t'a remis, je veux une solution de consensus dans le pays pour un exécutif bicéphale, parce que nous avons besoin d'un exécutif bicéphale, contrairement à le Premier ministre Ariel qui comprend qu'il y a un exécutif monocéphale qui a dirigé le pays pendant tout le temps. La parole fait là, nous ne pouvons pas des machines et beaucoup de Premier ministre Ariel, il y a qu'un bébé. La majorité de dans le pays, on va dire 90% acteurs et même peuple haïtien souhaitent un exécutif bicéphale. Nous croyons que des machines là, les louables et nous autres, nous supporter et nous demandons tout l'autre monde suivant-il pour prendre forme et pour qu'on fasse des routes pour planifier et démarrer à 6 jours le plus rapide possible pour être dans 5 à 8 jours qui viennent pour nous avoir un accord unitaire qui va être dans le pays qui va le bailler naissance à exécuter bicéphale là et un gouvernement de consensus. Quand on parle de consensus, pas bien monde qui perd, pas bien monde qui gagne. Je dis à tout doit se faire par consensus. Dans l'état pays à déchirer là, pas quoi après les questions coquines parce qu'il y a un monde qui dégonne bagaille personnelle par une et depuis nous sommes ensemble entre nous consensus la joine, moi crois que tout pour absentir bagaille pour aller bien parce que je dis à ça qui est plus important pour nous c'est sécurité, c'est sérénité, c'est la stabilité.
c'est organiser l'élection, c'est faire institution fonctionner pour les services dans le pays, tout bon vrai, et pour encourager investisseurs à venir investir pour que la vie retourne dans le pays, pour la vie économique, la vie sociale, la vie politique reprenne normalement, et pour tout le monde qui a vaqué librement l'activité, pour que c'est la plus grosse satisfaction. Je dis à comment comprendre, il y a des zones qui ne sont pas capables. Là, on dit, on monde qui était dans la zone Matisse, on vient aller Cafou, aller Gretier, les jours, il n'est pas capable de traverser. Il y a des zones qui ne sont pas dans le pays, je crois qu'il faut qu'on gouvernement, il faut qu'on exécutif bicéphale qui vienne pour adresser le problème ça, pour poser une solution bien vite et pour tout le monde sentir qu'il y a une confiance dans le pays. Voilà, député, ancien député Antoine Rodon, oh, bien aimé. Avec nous, maître Gédéon Jean, n'a pas marché pour la vie à Clié, n'a pas permettre de partager avec nous un document ça, marché pour, n'a pas marché pour la vie rédigé, qui fait une analyse comparée de ensemble proposition sortie crise et puis perspective pour ta gagner. Et une seule proposition. Maître Gédéon Jean, bonjour, bienvenue sur Caraïbes. Bonjour Guerrier, bonjour Bob, bonjour Guerrier Rony, bonjour à toutes les auditrices, auditeurs de Caraïbes FM. Jacques Ozilla et Guerrier, donc marché pour la vie, mettons document sur table là qui titré analyse comparée des propositions de sortie de crise et perspectives pour une proposition unique. La démarche, c'est qui ça exactement? Et marché pour la vie, nous avons toujours notre démarche de facilitation. Donc nous-mêmes, nous avons facilité acteurs arrivés à un accord unique. Je nous connais dans nos conjonctures, côté que je vous dis, nous pas dans la constitution, hein. Nous gagnons des autorités qui pas légitimes de fait engager l'État, ce qui paraît pas normal. Donc marché pour la vie, nous-mêmes, nous comprenons l'aspiration des acteurs politiques. Je vous dis, qui exprimé à travers trois documents, documents pendants, donc protocole d'entente nationale là, avec documents proposés par le gouvernement du CEP Ariel Henry, et puis le document proposé par la commission qui est à la recherche d'une solution haïtienne à la crise, donc le document du CEP. Donc trois documents, ça, globalement, ils ont exprimé aspiration, genre que acteurs ont carrément été payés dans une situation exceptionnelle, ça, et ajouter au bon l'autre groupe d'acteurs, ça n'est les non-signataires, sous par exemple SDP, et même qui dit qu'ils n'ont pas proposé un document, mais à présenter dans tout document qui vient là-dedans aspiration population. Donc, marché pour la vie qui constate les situations, hein, puisque nous avons tous les mêmes préoccupations, par exemple sécurité, c'est ça tout le monde revendiqué. Élection pour choisir librement ses gouvernants ou ses représentants, ça dit dans tout document. Yo. On a besoin de justice, il y a accès aux services sociaux de base, entre autres. Donc nous voyons que fondamentalement, tout document yo, qui présentait, ils yo gagné même contenu. Mais différence, c'est surtout, par exemple, sous durée et transition, bon, ça répond à qui est vraiment fondamental. Mm-hmm. Mais c'est sous, par exemple, est-ce qu'on a bon exécutif bicéphale qui est nécessaire. C'est mécanisme sous table pour désigner président avec premier ministre. Non? Donc, dans le document, on propose un mécanisme. Et puis, alors que, il y a un autre document, les mêmes qui proposait, on se deux encore au sommet. Donc, on a nous fusionné tout le document, ça, nous venons avec un document qui gagne essentiellement deux parties. Dans la première partie, hein, nous dit, les différences qui viennent dans chaque document, yo, mais qui côté gagne fondamentalement même contenu. Mais globalement, nous dit qu'on gagne même contenu. On a dans notre deuxième partie, nous dit fondamentalement, mais différents documents au gain. Et bien, sous base ça, nous ajoutons en l'autre partie côté que nous dit, et bien, je dis à tout à l'échita pour entendre sous point ça fondamentalement, donc nous avons besoin d'un accord en plus. Donc, c'est notre façon de nous proposer document ça à tout acteur qui rentre dans le cadre de proposition que nous pouvons faire. Nous-mêmes, nous marchons pour la vie, toujours pour continuer. Faciliter acteurs joignent un accord sur une petite constitution parce que je dis à nous pas dans la constitution, il faut qu'il y ait une petite constitution dans la gage politique quand il y a un accord minimal. Ok, et bien nous t'ai proposé que pour gagner un groupe de travail inclusif qui vient représentant six entités que nous t'ai identifié, à savoir groupe pénal, gouvernement, accord contre plan, marché pour la vie et Sénat. Ok, maintenant, et puis les non-signataires, eh bien, groupe de travail, ça, la fusion des documents, et puis la métacte de Chita, pour faciliter, on a mis sous point de divergence, le ça, pour proposer à la nation, cette petite constitution, c'est-à-dire un accord
politique, parce que c'est ça notre chercher aujourd'hui, et à force d'aller de tenir compte des besoins de la population, puisque tout acteur politique ça a bataille pour améliorer les conditions de vie citoyens, et bien nous encourager citoyens pour nous encourager acteurs, que ce soit acteurs qui adhèrent à contre-recrutement, que ce soit acteurs qui travaillent avec pour proposition d'accord, projet d'accord, ce que vous des chefs en fait, c'est nettement des populations pour les suivre dynamique ça, puisque in fine c'est intérêt population que nous tous disons. Donc c'est dans des mal de facilitation ça que marché pour la vie est toujours inscrit, que la continuer inscrit. Initialement, travail, et ça nous fait là mettre André Jean, marché pour la vie, tu as qui ça comme position dans la crise là, en termes de propositions, et analyse comparée, ensemble de propositions, ça nous fait là, tu as dû qui ça comme solution, étant donné et des baillots, il y aurait été sous un exécutif à une tête ou bien à deux têtes. Bon, et document j'ai été dit dans l'introduction, ouais, nous même la facilité, la aider, la encourager acteurs positionnés, ouais, la encourager acteurs positionnés, parce que pour population qu'on est position acteurs, à chaque fois qu'un acteur qui adhère à un accord, c'est très bien. Nous-mêmes, c'est faciliter, c'est aider pour arriver à mettre ensemble pour venir avec une position unique là. Donc, l'esprit document, l'esprit document, c'est exactement ça. Donc, c'est travail, groupe de travail qui a commencé pour acteur. Donc, ça travaille pour longtemps pour ce travail, ça puisse nous gagner les compétences nécessaires. Hein. Donc, nous proposer le document, ça qui fait base de travail, à côté que nous acteurs, ok, dorénavant, tout document, toutes trois positions, ça y est. Mais pour l'essentiel qui s'est exprimé, question sécurité, question justice, question élection, service social de base, etc. Nous disons, mais qui est à tout document exprimé, et légèrement, mais côté de différence, non? Et fondamentalement, mes côtés différents là. Donc, actuellement, nous encourageons le travail sur ça. Donc, dorénavant, ce groupe de travail que nous proposons et que bien au moins quatre acteurs qui viennent à dire à dynamique là, qui expriment eux, et bien nous disons déjà, vous avez ce document de travail pour coordonner à cette petite constitution, entre guillemets, ou encore à ce document final. Donc, ça marche pour la vie à chercher nous-mêmes, comme facilitateur, nous partons en position, c'est aider acteurs réunis à conclure cet accord politique pour capable, un, doter pays à deux, ça nous a tout dit, mais donc petite constitution ou d'un accord politique, le ça, pour capable d'avoir des autorités qui légitiment, parce que légitimité, fondamentalement, nous venons du côté, nous venons dans l'élection. Or, nous ne pouvons pas gagner un gouvernement qui soutient l'élection, ou bien soit la population qui vote pour de façon indirecte. Ou indirecte, par exemple, le premier ministre Ayala, son premier ministre de fait, le premier ministre de facto à Andouma. Sous le directeur général de la PNH, avec tout le monde de facto, tout le monde de fait, et bien, situation exceptionnelle, ça n'est pas un mobilier juridique, côté qu'on ne peut pas appliquer la Constitution, ou les fondamentaux même de l'État du droit, et bien, qu'on a mis un recours à cette petite Constitution, à ce parcours, pour doter les prochaines, c'est-à-dire les prochaines autorités ou les prochains gouvernants d'une légitimité. Donc c'est là pour nous lier nationalité pour nous-mêmes, et c'est ça tout acte exprimé. C'est arriver tenir compte des aspirations de population. Je dis à sécurité, c'est besoin chaque monde de guerriers ouais, de guerriers du seul, à bon, c'est l'original, le vrai, en passant par le végétatif aussi, là, ou celui qui dort à la belle étoile, je dis à nous tous, nous avons besoin de sécurité. Donc ça, nous tous, comment nous soumis. L'organisation des élections, comme moyen démocratique, pour choisir librement ses gouvernants, c'est ça, choisir comme démocratie, c'est ma préférée, par exemple, au prescrit de l'article 58 et suivant de la Constitution, qui dit que la souveraineté réside dans l'universalité des citoyens, ok, qui, eux-mêmes, ils délégué l'exercice de cette souveraineté, soit à partir des élections, et ça veut dire pour choisir président, sénateur, etc., les locaux, ou indirectement à travers moins autorité ou quoi. Donc, je veux dire, c'est ça, vous exprimez.
Ils ont besoin de justice, question Petro-Caribé, par exemple, Soukra, par exemple, massacre qui fait un quartier populaire. Ils ont besoin de justice, justice pour M. Dorval, justice pour l'ancien président de cette journée, Moïse, justice pour Antoinette Duplet, qui sont membres fondateur marché pour la vie, justice pour Diego Sol. Donc ça a tout le monde besoin. Les services sociaux du base. Je dis, il y a, par exemple, produits pour les nécessités qui ont monté considérablement. Donc ça y est, in fine, c'est ça que nous besoin de résoudre. Mais bon, côté qu'on passe, c'est lorsque, en tant qu'acteur politique, en tant qu'acteur société civile, nous arrivons à ce par rapport à cette petite constitution, pour doter pays, c'est-à-dire des autorités légitimes de l'État pour engager l'État. Et marché pour la vie, c'est notre dynamique, ça a nié. Donc nous constatons qu'il y a trois positionnements à travers un gouvernement et autre. Eh bien, nous avons trois positions sérieuses. Nous avons besoin que nous traduisions une position unique pour que Haïti puisse soutenir en dedans trois positions sérieuses. Eh bien, le Sahara, en tant que gouvernement, en tant que futur gouvernant, en tant que citoyen, en tant que responsable, pour nous dire population, voilà. Nous-mêmes qui t'a dit, si je ne viens pas là, mais qui t'a nous pensé, mais qui j'en nous doit gouverner mieux, eh bien, le Sahara, nous besoin bail. Comme image, mais ça a besoin d'aide, et comme vision ou encore comme espoir à toute la population. Donc, marcher pour la vie, c'est une dynamique, et ça a tenu comme facilité. Il y a des gens qui sont capables de dire qui j'ai des images, je parler, les nous tomber dans la division Pired. Moun ki t'a demandé de pas Jovenel yo, yo te fait non unité totale capitale et journée jeudi a pour joignon encore, chaque moun fait bande à part, chaque moun gon encore y a pas couché et qui vrai avenir encore ça yo, là nous connaitons gon bonne l'autre encore déjà qui t'est accouché que pas jambe bien suivi et qui confiance population haïtienne capable faire des encore ça capable coucher encore ça yo met Gédéon. Non, c'est une question fondamentale et bon puis c'est du Mariotte. Le Mariotte à Jodia, il y a plusieurs accords. Par exemple, nous-mêmes, dans le marché pour la vie, nous avons facilité l'acte au conclu l'accord du 5 juin. C'était l'initiative marché pour la vie. Mais, Jodia, nous, position à l'acteur évolué. Parce que nous-mêmes, nous partons du principe que les acteurs sont de bonne foi. Parce que, et on va comprendre ça et avec un rapide et bon, et Dieu, à tout le monde qui a fait de nous là. Et la politique suit sa propre logique. Même j'ai moi-même qui a pensé de la tête nationale, mais connaît que le droit international suit sa propre logique. Martin que Kofi Annan dit que le droit international, c'est ce que veulent les États. Donc, politique a des logiques qu'ils suivent. Donc, nous-mêmes, et comme facilitateurs, chaque acteur exprimé nous dit que son bon bagage. D'ailleurs, nous partons du principe et que les acteurs sont de bonne foi. Mais c'est comme ça. Donc, nous-mêmes, aujourd'hui, hein, nous pensons que nous avons un moment vraiment historique et, ou même, par exemple, Bodice, qui sont vecteurs d'opinion, qui sont influenceurs à travers Jean Pomelé, etc. Que d'autres. Bon, c'est que nous-mêmes, je dis à nous, un rôle pour nous jouer, pour nous aider à te arriver à conquérir à Costa et pour la surveiller aux gens pour faire là. C'est-à-dire que nous-mêmes, demander aux populations, hein, pour y suivre dynamique. Hein. Parce que, finalité, hein, nous disons, c'est arrivé à changer les conditions de vie mondiale. Et des fois, acteurs qu'on n'a pas beaucoup. Faut que connaître que la population a fourni d'habits, que ce soit à travers une tâche populaire, d'un progrès ou encore à travers gens que Bob a mené l'émission. Donc nous-mêmes, nous devons encourager, nous continuer à encourager et nous ajouter nous-mêmes notre dynamique de complémentarité, côté que tout nous capable de dire, ça va plus bon souffert comme ça. Donc je dis là, malheureusement, c'est la réalité, ça a tenué. Nous, par la Constitution, on ne peut pas appliquer la Constitution. Nous, on gagne des gouvernements qui, de fait, qui là, qui ne peuvent pas engager l'État. Eh bien, c'est encourager pour arriver vers cette petite Constitution, entre guillemets, qui s'est un accord minimal pour vraiment doter pays, dans ce mécanisme, dans cette directive politique, et que pour retourner dans la normalité constitutionnelle, c'est-à-dire organiser des élections selon la Constitution, des élections démocratiques, et que pour population, pour citoyen, tu as choisi lui-même ses représentants, ses gouvernements, conformément aux articles, c'est-à-dire aux principes de l'article 58 et 60 de la Constitution, conformément et aux principes de l'État de droit.
Mais Gédéon, au-delà de démarches nous, pour nous arriver jeunes en proposition unique sur l'ensemble de propositions qui est là sous table, est-ce que nous poser peut-être nos questions sous volonté réelle acteur pour nous joindre une entente, l'un qu'on est depuis sous Jovenel, le problème ça a été posé encore après l'amol, et étant donné que nous, pour la plupart, c'est de monde qui entendent nous déjà, par exemple, pour voir Jovenel aller, et là, nous, en difficulté pour nous entendre nous sur encore. Bon, je pense que il y a deux paramètres qui ont regardé mes questions, ça, Pierre Ounioune. Il y a le discours politique, ça, acteur politique qui carrément. Bon, ça, son idéal, il est capable, même en sorte de chimie, il est capable de faire du temps, ok, mais son idéal. Maintenant, il y a une réalité politique. Je pense que je dis, la réalité politique, là, pousser acteur à aller, plus parce que nous-mêmes, nous marchons pour la vie. Ou plus, par exemple, au mois de mars, nous avons travaillé avec les politiques pour les conclure pour 5 juin. Donc, nous voyons que il y a des divergences, mais quelque part, nous avons une volonté. Mais peut-être, réel politique, là, fait que nous n'avons pas d'avancer aussi rapide. Mais je dis, l'on a fait des analyses combinées, des analyses politiques, des analyses croisées. Nous voyons que acteurs voulaient avancer. Parce que nous avons un jour vraiment du taille. Que ce soit acte qui a rapproché vers encore 30 ou 30 que nous encourager, acte de commission que nous encourager, encore acte qui veut rapprocher de encore et politique et PM a proposé. Et il y a des acteurs tout qui a rapproché du encore PM. Donc nous-mêmes, nous pensons que nous encourageons ça pour dire ça, dorénavant, nous avons une idée claire du côté acte politique nous voulons aller. Eh bien, nous pensons que automatiquement que nous-mêmes marchons pour la vie nous faciliter. Et que Bob C facilité, Jean Monnet a facilité, tout le monde, maintenant notre fait d'activité nous aider, je pense que ça permet que acteurs et que dorénavant la studio. Parce que je pense que l'une constat que nous faisons souvent, nous manquons de montrer acteurs politiques qui n'ont su ça. Et nous avons garanti que Bob C avec Jerry, avec Léonel Mila chaque matin, à 5h, nous avons garanti. Si nous rentrons dans la dynamique, ça acteurs à concours à côté. Parce que nous-mêmes, nous pensons que dans 8 jours maximum, acteurs capables de faire ça. Si nous mettons pression sur nous dans le sens positif, si vous avez fait ça, parce que position est clairement exprimée déjà, sous printemps, ou pour la proposition, ou pour un accord, le gouvernement de cette aïe là, sous pour un accord, en tout cas, ou après fondamentalement, nous exprimons même bagaille. Côté organisation, c'est ça. Un, c'est exécutif, on ne sait pas, c'est seulement M. Henry qui est pour l'exécutif, on ne sait pas. La majorité de mon groupe c'est ça. Et M. Léon-Jean, probablement intérêt à l'île claire, donc à venir mettre un président sous tête Ariel Henry là, c'est en tout cas c'est coulé à là, c'est le seul chef dans le pays. Donc c'est son bar qui est bien calculé. Et que c'est lui qui était comme premier ministre pendant que ça n'a pas fait partie de Jean l'État à l'échappanté. Une équipe de décision qu'a prend. Et qui doit prendre, donc il doit passer à travers un président de la République. Donc pour qui ça intéresse ça, pour que c'est lui qui était hein, comme premier ministre sans président. Qui ça le alors comme explication qui est capable, en tout cas, faire mon comprendre. Bon, et monsieur Ariel Henry, qui sont premier ministre de fait, n'était capable de considération parce que c'est lui qui vient l'État. Non, mais c'est vrai qu'il faut qu'on engage l'État. Parce que monsieur Henry connaît que tant qu'il n'y a pas un accord politique, il n'est pas qu'à engager l'État. D'ailleurs, son truc qui était metté là. Mais de fait, son acteur à part entière de la crise. Donc, nous considérons la position là. Mais nous-mêmes, nous connaissons que selon la Constitution, selon notre pratique, notre sociologie, c'est que nous-mêmes, c'est exécutif bicéphale. Parce que Constitution 1, ce sont exactement là. Ce président, par exemple, qui a engagé et PIA au plan international, que ce soit travers les pleins pouvoirs ou à travers lui-même. Donc ce n'est pas le premier ministre, pas nos colonels. Pour convoquer le peuple français commun, c'est le président de la République qui a fait lui. Pour la prestation de serment des nommés, des nommés. Et élu, sous table, ou désigné et élu du CSPJ, c'est en devant le président de la République pour prêter serment, entre autres. Donc, pour nommer les directeurs généraux, etc., c'est que l'État, c'est président qui c'est personne qui est calé. Les gens, pour m'expliquer dans le dernier rapport thématique qu'on fait sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, et dans le rapport, ça ne nous pas garder
M. Jovenel Moïse attaqué M. Jovenel Moïse, mais nous garder comme chef d'État. C'est vrai que le mandat défini mais du fait en tant que chef d'État qui était élu. Ok? Donc, nous montrer ça. Mais réalité en fait que je vous dis, hein, et nous-mêmes c'est ça, comme facilitateur, réalité en fait que nous avons M. Ariel Henry qui corruption. Ok? Et nous gagnons pleinement qui ont au point de vue. Et c'est vrai que c'est ça qui exprime la Constitution. Et nous avons accord qu'un coûte tout le même qui peut exécuter le ça. Donc nous partons des principes que les acteurs sont de bonne foi. Nous partons des principes qui sont de bonne foi. À partir de ça, la facilité pour arriver. Parce que si le Premier ministre vive dans une situation et que tout acteur dit que force exécutive de ce sale, le international là, lui-même, il peut déposer pour exécuter. Mais c'est pas. Mais de toute façon, nous-mêmes,